Citia Immobilier, bien chez soi. Plus son loyer? Si la situation venait à perdurer, il existe des dispositifs pour aider le locataire à régler sa dette. Avant de louer, quelques précautions. Vérifiez que les ressources de votre locataire lui permettent de supporter le loyer et le montant réel des charges. Le taux d'effort ne doit pas dépasser le tiers de ses ressources. Un autre conseil, aidez votre locataire à bénéficier d'aide. Sachez que s'il a droit à une aide au logement, celle-ci pourra vous être directement versée. Et puis, avant de vous précipiter dans une procédure judiciaire complexe, sachez qu'il existe de nombreux recours en cas de défaillance dans le paiement des loyers. Mieux vaut donc réfléchir à des solutions amiables avec votre locataire, surtout s'il est de bonne foi et qu'il est confronté à des difficultés passagères. Dès les premiers impayés, n'attendez pas. Prévenez aussitôt la personne qui s'est portée caution, ainsi que l'organisme qui verse l'aide au logement, si votre locataire en est bénéficiaire. Proposez par écrit un échelonnement des règlements avec des délais précis à respecter. Si la procédure amiable échoue, vous pouvez engager des démarches plus contraignantes et coercitives. La première consiste à passer par un huissier de justice pour adresser un commandement de payer au locataire et éventuellement à la caution. Le locataire a alors 2 mois pour régler ses dettes. Ultime solution, si les loyers continuent à ne pas être payés et les délais sont dépassés, vous pouvez engager une procédure de résiliation. Avec l'accord du juge, une procédure d'expulsion pourra être lancée. À la réception du commandement de quitter les lieux, votre locataire a alors 2 mois pour quitter effectivement le logement, excepté pendant la période d'hiver du 1er novembre au 15 mars. Pensez à prévoir dans le bail une clause dite résolutoire, qui en autorisant la résiliation du bail pour non-paiement du loyer, permet d'accélérer les démarches judiciaires. Enfin et surtout, sachez qu'il est possible de se protéger contre les risques d'impayés des loyers en souscrivant une assurance spécifique, dont le coût modique avoisine les 3% du loyer mensuel. Cette assurance prévoit aussi une garantie contre les détériorations causées au logement et peut prendre en charge les procédures contentieuses. Elle vous permettra de percevoir vos loyers. Les primes de cette assurance sont déductibles des revenus fonciers. Immobilier, bien chez soi.